cher taureau, bienvenue dans cette vidéo de vie sentimentale pour le mois de novembre. Vie sentimentale, je reprécise, comme à chaque fois que je fais une vidéo de ce type. Donc, c'est la personne à laquelle vous pensez, vous êtes divorcé, séparé, ou ça peut être donc quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier. Dans votre entourage amical ou alors votre entourage donc familial. Voilà, donc on y va avec la carte de l'ambiance qui est l'impératrice qui vient d'apporter d'abord des bonnes énergies et donc qui vient parler, alors selon votre situation dont je viens d'évoquer, en tout cas de quelque chose d'harmonieux. Une bonne peut-être préparation à quelque chose que vous êtes en train de faire pour aller vers la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, l'aspect relationnel est très important durant cette période. Il peut y avoir donc du dialogue, des échanges. C'est très authentique. On essaie d'être en tout cas le plus authentique possible, le plus intègre à soi, à ses valeurs. Et il peut y avoir donc aussi une rencontre importante. Alors quand je dis rencontre, bien sûr, c'est selon ce que j'ai précisé juste avant. Ça peut être donc une rencontre amoureuse, certes, je vous le souhaite. Et puis ça peut être aussi une nouvelle relation, une rencontre importante aussi d'un point de vue amical. Et là aussi, je vous le souhaite parce que c'est très bien d'avoir des amis. Et de très bons amis d'ailleurs. Donc voilà, selon le cas, de toute façon, c'est une carte extrêmement positive au point de vue sentimental, relationnel. Alors, on a toujours les mêmes points en question. Donc le présent, l'obstacle et l'évolution de la situation. Ici, j'ai utilisé un nouveau jeu, mais ce sont les mêmes points. Donc, je vous donne vous voyez sur votre vidéo, ça va s'afficher. L'oracle en question, c'est les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Ici, on a le point de la présent. Ici, on a le passé. Donc là, c'est la conséquence. Voilà. Et ici, on a donc le point de l'évolution, comment le futur, quoi. Voilà, on y va avec la première carte ici qui est sur le point présent, qui est l'indécis. Alors, avec cette carte de l'indécis qui est dans son sens renversé, donc ça veut dire qu'il y a, je pense, vos valeurs, vos principes, vos décisions, vos choix qui sont peut-être malmenés par peut-être donc l'entourage. Ou alors c'est que vous êtes en pleine, je pense, surtout avec l'association, on va y venir bien sûr, de la carte suivante, vous êtes en pleine réflexion. Donc oui, c'est malmené, mais je pense que ce n'est pas malmené spécifiquement par quelqu'un d'autre ou par votre entourage. C'est surtout malmené peut-être par vous-même parce qu'il y a un nouveau positionnement qui est en train de monter en vous. Qui fait que peut-être vous êtes en crainte par rapport à l'avenir et il y a de l'incertitude, des choses que vous voulez préciser, consolider notamment et en tout cas vérifier. Donc c'est une volonté de ne pas pour l'instant vous investir avec des responsabilités pour programmer. Et c'est vrai que d'une manière générale, cette carte indique qu'il n'y a pas ce type de volonté. C'est-à-dire que c'est plus le choix de vivre selon ses principes et ses valeurs, et surtout que on connaît ses limites et donc on ne souhaite pas être freiné par quoi que ce soit. Sur le point suivant, l'obstacle, on a la carte de l'originel. Alors, malheureusement, la carte de l'originel est freinée, puisque c'est le point de l'obstacle. Et parce que, à l'origine, justement, elle parle juste de confiance en soi, d'une bonne et belle estime de soi.
Or là, je pense que du fait de la transformation que vous êtes en train de vivre, d'expérimenter, c'est un peu malmené. Vous malmenez un peu au point de vue de l'estime que vous avez de vous-même, au point de vue de la confiance que vous avez de vous-même, en vous-même. Et donc, au point de vue de la communication, comme le signale aussi donc cette carte de l'impératrice qui est très importante pour vous durant cette période, il y a quelques difficultés, quelques gênes en vous. Néanmoins, à la suite dans l'évolution de la situation, on voit que vous en sortez très très bien, sans grande peine, puisque on a la carte de la prompte qui indique qu'il y a un passage plus ou moins difficile, avec plus ou moins d'épreuves ou de douleurs, de difficultés en tout cas. Et là, en fait, là, c'est fini. Et il y a justement ce renouveau qui est là, qui est présent et qui est très constructif, hein, puisqu'il y a eu un cycle de régénération, de reconstruction, entre guillemets, une mise à jour de vos valeurs et de vous-même, de l'estime que vous avez de vous-même, on en a parlé, hein. Donc là maintenant, vous êtes passé à l'étape suivante avec cette transformation de cette phase de régénération et la vision extrêmement positive maintenant que vous avez de vous-même, de la vie, de vos valeurs. Et ça suppose que maintenant, vous avez plus de confiance pour aller vers l'autre. Sur les points qui sont en dessous, je vais commencer par la carte qui est la carte du passé. Comme ça, on aura la conséquence et la compréhension tout à fait logique de ce que vous êtes en train de vivre sur le présent. Donc, on a à l'envers, donc ça veut dire qu'il y a une certaine gêne, peut-être un blocage. En tout cas, c'est le même point que l'obstacle qui est au-dessus, finalement. On a la carte de l'ensorceleuse. Alors, je vous la montre à l'endroit puisque ce sont des cartes que vous n'avez pas encore découvertes. Donc, on a la carte de l'ensorceleuse qui parle de pouvoir, de volonté. Alors, il ne faut pas la voir comme l'ensorceleuse avec des potions magiques et des choses comme ça. Ici, on parle de l'ensorceleuse parce que c'est une énergie qui, en fait, apporte une volonté d'agir, oui, mais c'est surtout dans l'organisation et la préparation de l'étape suivante, où là, on voit que, on vous dit de, on vous, par le passé, en fait, hein, on vous a amené à bien voir, à bien revoir aussi, et à garder à l'esprit vos objectifs, justement, la carte de l'indécis soulignait aussi, qui était malmenée, on a dit, hein. Et donc, c'est plutôt une carte ici de réflexion, de confiance, d'intimité, de silence, où on pèse le pour et le contre des valeurs, des choix que l'on a. Sur le point suivant, donc le point présent qui rejoint celui qu'on a vu juste avant, on a la carte de la solitaire. Donc ça résume finalement tout ce que on a pu évoquer juste avant par rapport à l'aspect de revoir, de reconsidérer vos valeurs, vos choix, vos décisions en ce moment et votre volonté, je pense, d'être plutôt justement dans la solitude, plutôt et en retrait, plutôt que d'être dans la vie sociale et très actif. Plutôt la nécessité pour vous et la volonté pour vous, pour examiner votre situation plus en profondeur, plus dans le calme, d'être seul. D'être plus concentré sur vos objectifs et sur la préparation
de la transformation, puisque à la fin, on a dans l'évolution la carte de la métamorphose qui parlait de régénération juste au-dessus. Eh bien, ici, c'est tout à fait validé et confirmé avec la carte de la métamorphose, où justement, il y a ce changement qui s'annonce pour vous, ce constat qui va se voir de l'extérieur. Il y a donc tout ce changement que vous êtes en train de faire à l'intérieur de vous, mais finalement, dans l'évolution, on voit que ça va se voir vraiment dans l'extérieur très bientôt. C'est pour l'instant, on est dans l'annonce, dans l'expérimentation. Vous allez pouvoir finalement vous positionner, vous différencier, vous faire remarquer et remarquable par justement votre différence. On va vous distinguer des autres. Et donc, ça va être pour vous valorisant. Donc, vous allez pouvoir vous affirmer par rapport à l'autre personne que vous avez à l'esprit. Et vous pouvez même être, je pense que dans cette métamorphose, dans ce changement, peut-être même de la personnalité, vous pouvez être très surpris par vous-même. Alors, on va mettre au moins une carte, je dis au moins une carte à la suite. Voilà, on met une carte ici. Tu vas en rajouter une autre. Alors, c'est la carte de la papesse. Donc, je pense que c'est au point de vue, ce changement, c'est au point de vue non seulement des connaissances, mais au point de vue des sentiments. Il y a un changement très profond chez vous, qui s'installe dans la volonté de partager quelque chose. Peut-être que vous découvrez finalement en vous, ça peut être même un sentiment amoureux vis-à-vis donc d'une personne que vous aviez à l'esprit, mais qui maintenant peut être exprimé ouvertement, même si ce sont toujours des sentiments qui sont très profonds et peut-être un peu réservés. En tout cas, il y a un lien avec la spiritualité, ce qui n'empêche pas une relation sentimentale, charnelle, des choses comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de spiritualité au point de vue des valeurs qui sont dans la relation. C'est très important. Alors, on va ajouter une autre carte. Là, j'ai envie d'en mettre une autre ici parce qu'on a parlé justement tout à l'heure des valeurs, on a parlé de retrait et voilà. Voilà, alors, on ne peut pas mieux tomber. C'est la carte du jugement. Donc, c'est pour moi donc la carte d'un nouveau départ. On en a parlé tout à l'heure avec le fait de vouloir et de ressentir la nécessité de se retirer un peu de la vie sociale, de faire le point. Et donc, je pense que là, on est passé par cette étape-là. On passe au mois de novembre par cette étape-là et ce renouveau se fait de manière très, très positive.
Et je dois dire très simplement, facilement, en fait, hein. Alors, ici, l'autre carte qui est là. Voilà. Donc, il y a une. Alors, c'est le pendu dans son sens favorable. Et donc, il est dans son sens renversé, là. Donc, mais c'est le sens favorable. Parce que il y a. Alors, je pense, quand je vois vos cartes, là. Il y a déjà dans la relation que vous espérez, que vous estimez, je pense, possible maintenant, il y a du romantisme, de la spiritualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais beaucoup de romantisme, d'idéalisme et de sagesse et de volonté d'être intègre, d'être à la hauteur, de se présenter en étant à la hauteur de ses idéaux. Pour vous, l'amour, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans la petitesse. Ça se fait avec une grande loyauté, un grand respect, avec une grande ouverture de cœur. Et au point de vue émotionnel, vous êtes vraiment dans le don, dans le partage, dans l'échange et même dans la communication. Je pense qu'il y a beaucoup d'affection, de tendresse qui est partagée. Alors, est-ce que vous faites la rencontre, je ne vais pas dire de votre vie? Mais en tout cas, c'est quelque chose de très, très important. Voilà, cher taureau, je vous souhaite une très, très belle continuation et je vous retrouve pour ma part sur une autre vidéo très bientôt. Au revoir!